Alors voilà la boîte du Silverlit Nano Falcon. Dans cette petite boîte, on retrouve notre hélicoptère, donc relativement petit, la télécommande avec les gaz à gauche, la direction à droite, les boutons pour le réglage du trim, le bouton on-off, un bouton pour contrôler la lumière sur l'hélicoptère, trois chaînes A, B ou C pour jouer avec ses amis et le chargeur intégré. Donc je tiens aussi à préciser que le chargeur est identique sur le Silverlit Sky A et sur le Sky Dragon. Donc si vous possédez l'un de ces deux hélicoptères, vous pourrez recharger votre Nano Falcon avec le même chargeur. Dans cette boîte aussi, on retrouve quelques petites pièces de rechange et on retrouve aussi la notice. Quelques petites précisions à propos du Nano Falcon. Sa télécommande embarque 4 piles LR6. Le Nano Falcon a un temps de recharge d'environ 20 minutes pour un temps de vol de 8 minutes. Pour recharger votre Nano Falcon, il suffit juste de le brancher à sa télécommande et à presser le bouton sur ON. Voilà. Nous allons donc procéder tout de suite au vol test de ce petit hélicoptère. C'est parti! Alors le Nano Falcon, il est plutôt très stable quand même pour sa taille. Attention toutefois aux petits courants d'air. On a une petite LED aussi à l'avant, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Il a plutôt un bon comportement en vol, il répond bien à ce qu'on lui demande de faire. Et quand on met le rotor de queue en marche, il est quand même plutôt rapide. Voilà. Donc c'est bien assez rapide pour sa taille déjà. On peut aussi en arrière. Bon, une fois qu'on a le coup de main, on arrive très bien à le piloter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du petit Nano Falcon? Son comportement en vol est irréprochable. La prise en main est plutôt bien aussi. Malgré qu'il est un peu plus difficile à piloter que le Sky Dragon ou le Spike M2. L'hélicoptère est très très résistant. Malgré les nombreux crashs, je n'ai jamais rien cassé. Le design, rien à redire. Et le rapport qualité-prix aussi, car on peut le retrouver aux alentours des 30€, donc c'est relativement pas cher. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo test.